Alors, dans cette partie, on va s'attaquer à tout ce qui est au-dessus des dates. Donc, je vous montre ici, c'est-à-dire des segments un peu plus beaux. J'ai envie de faire un peu différent de quelque chose où je trouve que c'est assez dur visuellement, même si c'est juste des choix esthétiques, c'est du petit travail, mais bon, tant qu'à faire, autant faire bien. Donc, des segments un peu plus visuels, notamment en enlevant les bordures. Et puis, ici, les KPIs, les indicateurs annuels qui sont là-haut. Et on fera cette cellule-là aussi, et puis on fera dans la partie d'après, juste, je mettrai une petite pause pour faire ce truc-là. Donc on va s'attaquer à tout le haut du fichier, et je vous invite juste à essayer de faire gaffe, j'ai peut-être fait une erreur, il y a peut-être, parce que j'ai fait une première prise, et finalement j'essaye d'en faire une deuxième un peu mieux, et du coup, juste, faites attention parce qu'on est peut-être plus sur les mêmes numéros de lignes et de colonnes. J'ai sans doute rajouté des lignes ici, donc des lignes que j'ai mis en assez petites, en taille 10 ou en taille 8 ou en taille 5. Celle-là, elle est en taille 5. Hop. J'ai mis des lignes assez petites pour avoir une petite rupture pour bien montrer que bah voilà, ça c'est une partie de mon boulot. C'est séparé ici et ici du reste. Par du coup, je ne sais pas si ça passe très bien en vidéo, mais par des petites bordures grises que j'ai mis dans des tailles de lignes et de colonnes assez étroites. Donc, juste vérifier, j'ai peut-être rajouté des lignes en haut, j'ai peut-être rajouté des lignes en bas. Logiquement, ici, vous devez avoir, si c'est la même chose que moi, la ligne 13 et ici la ligne 9. Et donc, il y a quelques lignes, il y a trois lignes entre les deux. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par le plus visuel. Le truc qui n'est que visuel dans ce qu'on va faire, c'est ici les segments. Je vais vouloir modifier mes segments pour les rendre un peu plus visuels. Pour faire ça, je vais sélectionner un de mes segments, cliquer sur Segments. Et ici, plutôt que de choisir autre chose qui serait aussi... il y a forcément, ils ont tous des bordures. Je vais faire clic droit et je vais dupliquer. Ça ne va pas me dupliquer le segment, ça va me dupliquer le style du segment. Parce que ici, je suis dans... les styles de segments. Clic droit, dupliquer. Je vais, ce nouveau segment, je vais l'appeler mon style perso 1. Voilà. Comme ça, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Mon style perso 1, je vais pouvoir modifier les différents trucs que je vais vouloir faire. Et moi, je vais modifier, je pense, que le segment entier, ou le segment entier et l'en-tête. Le segment entier, notamment, ça va être pour les bordures. Et puis, oui, normalement pour le texte 1. Donc, c'est peut-être tout que je vais faire ici. Donc, format. Et je vais lui dire que les bordures, j'en veux aucune. Donc, je clique sur aucune et ensuite, je applique le fait que j'en veux aucune sur les quatre coins. Enfin, les quatre angles. Je fais ça et je valide. Quand je vais cliquer sur OK, ça n'a rien changé. Mais mon segment, je peux bien affecter ce nouveau style. Et à ce moment-là, j'ai plus de bordure. Donc c'est pas mal, je vais faire autre chose. Segment, modifier. Je ne vais pas redupliquer, hein, je vais juste modifier. Et je vais dire que ici, j'ai aussi un truc sur la police. Et la police, je ne vais pas la vouloir en gras, je vais vouloir la vouloir en noir, je vais la vouloir cette couleur-là et en normal, pas en gras. J'aime pas le fait que ce soit en gras, c'est un titre. Là, j'ai pas envie, j'ai envie que ce soit légèrement plus neutre. Je fais OK. Et OK. Donc, est-ce que ça l'a bien pris en compte? Alors non. Alors, c'est que je me suis trompé et c'est pas grave. C'était important que vous le voyez. Donc, modifier. Et du coup, c'est l'en-tête. J'avais un doute. C'est l'en-tête. Format, police, sans gras et ici. Voilà. Donc, j'ai enlevé le gras et j'ai changé la couleur pour avoir quelque chose de légèrement plus visuel d'après mes critères à moi en tout cas, et une fois que je l'ai fait, j'applique simplement le même style de segment au deuxième. Donc mon style perso, je l'ai appliqué au deuxième segment. Et si je crée un nouveau segment là, je pourrais facilement lui appliquer le même style. Et donc les segments sans bordure sont plutôt, si vous essayez de faire quelques tableaux vraiment avancés, vraiment visuels, parce qu'ils vont être beaucoup utilisés, et que c'est important pour vous que vous prouviez que vous maîtrisez et que c'est très fluide et que votre fichier il est bien fait, bah, ça peut être un sujet. Deuxième chose que je vais faire, c'est ici, je vais venir faire cette partie-là. Et donc cette partie-là, je vais simplement, dans un premier temps, venir copier, hop, je vais venir copier ça, le mettre là,
Et ici, je vais venir mettre une petite couleur de fond, un gris clair. Je ne sais pas si ça se voit beaucoup. Hop, couleur de trait blanc. Donc, je vais mettre des bordures blanches. Donc, voilà. Gris clair et couleur de trait blanc. Du coup, là, j'ai ça. Et maintenant, il va falloir que je remplisse ça avec des indicateurs intéressants. Et donc, je vais faire ici des indicateurs annuels. Donc, mes indicateurs annuels vont être combien j'ai de formations sur l'année en pourcentage. Je vais calculer ça en pourcentage. Donc, combien j'ai de formations sur l'année? Logiquement, ce que je vais faire, c'est que je vais venir calculer le nombre de jours de formation qui sont dans l'année, enfin le nombre de jours qui sont un dans l'année et deux des formations. Donc je vais avoir deux conditions à faire. Est-ce que c'est l'année actuelle? Est-ce que c'est l'année qui est sélectionnée ici? Et est-ce que ce sont des formations? Pour faire ça, vous allez voir, je vais préparer quelque chose qui est, je vais aller dans formule, gestionnaire de nom. Et pour ne pas recalculer l'année à chaque fois, je vais créer un nom qui va être un calcul sur l'année. Alors là, la date 1, maintenant je trouve que j'avais commencé par ça, je trouve que c'est pas assez explicite, donc je vais cliquer sur modifier et je vais dire que c'est la date focus. Va être bien parce que maintenant, je vais pouvoir faire un nouveau truc dans lequel je vais l'appeler l'année focus. Plus évident, et donc le focus c'est en fonction de ce qui est sélectionné par les segments. Et donc là, je vais dire que c'est égal à l'année de la date focus. Donc l'année focus, ce sera l'année de la date focus. Donc si je me mets ici et que je fais la date focus, eh bien la date, alors on ne le voit pas bien, c'est pas le bon format, pardon, mais c'est la date du 1er janvier 2023. On le voit ici. Si je lui dis plutôt égal l'année focus, l'année 2023. Et donc ça va être pas mal parce que ça va me permettre de faire un calcul. Le nombre, je vais faire nombre si ensemble, une fonction qui s'appelle nombre si ensemble, qui va me permettre de tester plusieurs critères, d'avoir le nombre de lignes dans un tableau qui correspondent à plusieurs critères. Mon premier critère, ça va être est-ce que l'année, donc on voit pas bien, mais je suis bien dans le tableau. L'avantage des tableaux, c'est ça, on peut sélectionner facilement ici. Est-ce que l'année, c'est égal à l'année focus? Et est-ce que l'événement, c'est égal à formation? Alors, je vais écrire formation dans un premier temps comme ça. Donc, il me dit qu'il y a 63 formations qui ont été placées. Alors, j'ai fait pour que ça fonctionne bien. Vous allez voir qu'en mai, en juin, j'ai mis beaucoup de formations. Sinon, on aurait fait des calculs où tout était entre 10 et 0, entre 0 et 10. Du coup, j'ai rajouté un peu. Donc, ici, j'ai rajouté plein de formations. Donc, on a 63 jours de formation en 2023. En 2024, 0. J'en ai placé aucun. Bon, placer un pour voir, hein, juste pour voir. Si je dis que, hop, le 4 janvier 2024, il y a une formation, ben, en 2024, j'ai bien 1. Et en 2023, j'ai bien 63. Donc ça, c'est pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça, mettre un peu de retrait et caler quand même à droite, et puis mettre, comme d'habitude, hop, une couleur un peu plus grise que je préfère. Je fais ça, et donc là, j'ai un nombre de jours. Et ce nombre de jours, moi, je voudrais que ce soit un pourcentage par rapport à l'année en cours. Donc il faudrait que je calcule le nombre de jours de l'année en cours. Et en vrai, comme ce ne serait pas très pertinent de compter des jours qui ne sont pas travaillés en général, comme le samedi et le dimanche pour indiquer sa productivité, ben je vais compter juste le nombre. Je vais diviser ce nombre-là par le nombre de jours ouvrés de l'année en cours. Et pour faire ça, je vais le faire à côté, je vais le faire en deux fois. Donc le nombre, donc je vais faire nombre de jours ouvrés intelligents. C'est une fonction qui permet de calculer le nombre de jours ouvrés entre une date de départ. Ça va être la date qui est donnée par l'année focus, le premier mois du premier jour, et la date qui est donnée par l'année focus, le 12e mois, 31e jour. Si je fais ça, ça me dit qu'il y a 260 jours ouvrés. En 2024, il y en a 262, notamment parce que 2024 est une année bissextile, donc de base, il y a déjà un jour de plus, donc peut-être un jour ouvré de plus. Donc là, c'est pas mal, ça fonctionne. Je vois en plus que c'est dynamique grâce à ça, et grâce au fait que j'ai utilisé l'année focus qui part d'une fonction agrégat, parce que ça part de l'année qui. Ça part de la date focus qui elle-même part d'une fonction agrégat. Donc c'est bien
dynamique par rapport à ce qui est sélectionné. Et donc ça, c'est pas mal. Je vais juste compléter ici par le fait de dire, bah, je ne veux pas travailler, je ne veux pas comptabiliser les samedis et les dimanches. Je pourrais faire ça et m'arrêter. C'est déjà l'option par défaut. Moi, je vais aller un peu plus loin. Dire, je ne veux pas travailler les samedis et les dimanches, mais je vais l'écrire dans un format où vous pourrez faire mieux si vous voulez. J'écris entre guillemets une suite de 7 chiffres qui sont soit des 0, soit des 1. On part du premier chiffre, c'est un lundi, le dernier, c'est un dimanche. Et pour chacun des chiffres, si jamais je mets un 0, c'est-à-dire que c'est un jour qui doit être comptabilisé, si jamais je mets un 1, c'est-à-dire qu'il ne doit pas l'être. Imaginons que quelqu'un ne travaille pas les mercredis, je mettrai 0 et 0 pour lundi, mardi, 1 pour mercredi, pour dire qu'il ne travaille pas, et ainsi de suite jusqu'à dimanche. Et donc là, on dirait qu'il y a 208 jours. Et vous doutez bien que 63 jours de formation divisé par 208, ça ne fait pas la même chose que 63 jours de formation divisé par 260. Donc là, j'ai ça. Et je vais juste rajouter, donc, hop, je remets un 0. Je vais juste rajouter un dernier argument qui est le nom, qui est les jours fériés. Donc je vais dire, attention, regarde les jours fériés qui sont là-dedans. Et toutes les dates là-dedans, qui sont entre ma date de début et ma date de fin, et qui tombent là-dedans, sont retirées de mes 260 ou 262 jours. Donc j'ai 251 jours, c'est-à-dire que j'ai finalement 9 jours fériés qui ne sont pas des week-ends cette année, en 2023. Donc je fais ça, et ça c'est bien, mais vous voyez que c'est déjà un calcul long. Et ce calcul long, je ne vais pas le garder ici. Je vais le copier, je vais le supprimer, et je vais aller dans Formule, Gestionnaire de nom, et je vais en créer un nouveau, nom dans le gestionnaire de nom, le nombre, jours fériés annuels. Là, j'ai le nombre de jours fériés annuels qui va valoir cette formule-là. Si ici je dis le nombre de jours fériés annuels, j'ai bien 251. Ici, 252. Et donc ça, bah, hop, je vais le copier. Enfin, je peux le supprimer ici. Et diviser ici par ça. Là, j'ai 63 jours divisé par 200 environ, ça fait 25% des jours, ou par 250, pardon, ça fait 25% des jours qui sont des formations dans mon année 2023. Et du coup, 0% des jours, parce qu'il y en avait 0, donc quel que soit, ça peut être divisé par n'importe quoi, ça fait 0. 0% des jours qui sont des formations en 2024, parce que rien n'est planifié. Donc là, c'est ça, et c'est parfait, et je vais juste dire que formation, hop, le sélectionne plutôt ici. Et je vais dire un deuxième truc, c'est que ici, c'est parce que là, si je voulais étendre, hop, ça fonctionnerait pas, parce que normalement, je calculais sur l'année et l'événement, les colonnes année et événement, et quand je décale, bah, ça calcule sur le mois et le jour férié, donc évidemment, plus rien n'est au bon endroit. Et donc, vous allez voir, il y a une petite technique pour faire en sorte qu'on puisse étirer une formule comme ça. Je vais dans planification, et je vais dire, moi, je voulais l'année, donc je vais prendre l'année et la colonne d'après, je sélectionne les deux colonnes, et je change juste ici année. Ici pareil, je vais supprimer ça et je vais dire que je veux l'événement et les jours fériés. Et ici je vais écrire une deuxième fois événement. Donc je peux écrire la première lettre et ensuite il me propose des choix et donc je sélectionne celui que je veux. Donc quand vous avez cette syntaxe là, qui est légèrement plus compliquée, qui serait difficile à écrire, mais vous pouvez feinter comme moi et avoir ça, hop, vous pouvez étendre. Ici, j'ai 10% des jours fériés qui sont des jours qui sont des congés, des jours ouvrés qui sont des congés, et 1% des jours ouvrés qui sont des arrêts maladie. Ici, ça ne me met rien parce que j'ai aucun endroit où il y a marqué comme admin autre en même temps. Donc en vrai, j'ai marqué moi, hop, je vais faire bien, je vais mettre un peu plus de place, donc je vais rendre ça un peu plus beau. Donc admin autre ici, et malheureusement, je ne peux pas faire formule, enfin ma formule ne va pas fonctionner parce que. Il n'y a pas ça, c'est pas, moi, je ne trouverai pas dans ce sens-là. Donc ce que je vais lui dire, c'est simplement, hop, ça, c'est le premier truc que je vais chercher. Hop, on va plutôt faire ça, pardon. Je vais sauter une ligne, vous allez mieux voir. Deux lignes, hop. Donc je lui dis, je veux ça plus la même chose, mais ici je vais dire que c'est autre. Je vais l'écrire à la main et ici je vais dire que c'est admin. Écrire à la main. Ces deux trucs-là, je vais les additionner. Donc je vais mettre plus au départ et mettre entre parenthèses.
Donc je vais additionner mes jours qui sont des jours admin, mes jours qui sont des jours autres. Tout ça, c'est entre parenthèses, avant de les diviser par mon nombre de jours annuels. Hop, je remets sur la même ligne. Et donc là, j'ai 2%. J'ai 2% parce que j'ai additionné quelque chose qui valait peut-être 3 et quelque chose qui valait peut-être 5. En tout, ça fait 7 et ça fait peut-être 2% de mon année. Donc là, j'ai ça. C'est parfait. Je vais faire ici 100% moins... Alors attendez, je vais mettre la mise en forme. Hop. 100%, pardon, 100% moins la somme, moins la somme de tout ce qu'il y avait avant. Et du coup, il me dit qu'il y a 62% des jours sur l'année 2023 pour l'instant pour laquelle je n'ai rien placé. Et évidemment, bah, si je décide de placer quelque chose en novembre, hop, donc pour le placer, ça va aller dans planification, hein, mais dans planification. Je dis que j'ai des formations, hop, on va faire en décembre les congés. On va faire les dernières semaines, hein, hop, congés. Ici. Et ici. Hop, du coup, j'ai des congés. Et donc, ça fait que bah, on n'est plus à 63%, mais à 56%. Et on voit bien, au fait, au cas où, on voit bien ici... en novembre et en décembre, tout ce qui est planifié. Donc là, ça fonctionne bien, et tout ce que je vais faire maintenant, c'est un peu de mise en forme conditionnelle sur les montants qui sont là. Donc, mise en forme conditionnelle. Ce que je fais, c'est que je vais faire une mise en forme conditionnelle qu'on appelle en barre de données. Et donc, je sélectionne une seule cellule, mise en forme conditionnelle, barre de données. Le problème des barres de données, c'est que normalement, on leur donne plein de données et ils vont automatiquement se dimensionner entre la valeur la plus faible et la valeur la plus haute. Je ne vais pas faire ça, donc je vais retourner sur ma mise en forme conditionnelle et cliquer sur « Gérer les règles ». Et je vais modifier la règle. Et c'est important de le faire d'abord sur une, parce qu'ensuite, une fois que notre règle sera bien faite et bien modifiée, on va la dupliquer sur les autres cellules. Déjà, je vais dire « Je veux cette couleur-là ». C'était peut-être pas la bonne, donc je prends cette couleur-là, c'est celle-là que je veux. Le minimum, ça va être un nombre. Et le maximum, ça va être un nombre. Je veux pas que ce soit automatique. Je veux pouvoir avoir la main. Alors, je vais mettre ici, le minimum, c'est 0, il me le propose, et le maximum, c'est 100%. Je fais ça, et je clique sur OK. Donc là, vous voyez que 27%, c'est bien un quart de ma barre. Et une fois que c'est fait, mise en forme conditionnelle, gérer les règles, je vais dupliquer la règle. Et je vais la dupliquer 5 fois pour faire ces 5 trucs-là. Ici, je vais dire, maintenant, ça va être une autre couleur. Donc, quelle couleur j'avais pris? J'avais pris ça pour autre. J'avais pris pour autre, j'avais pris ça. Pour, ensuite, on a quoi? Je prends le même ordre qui est là. Donc, ici, on va avoir les congés. Donc, c'était du vert. Hop. Ici, on va avoir, du coup, les maladies. Et ici, on va avoir... le reste que je vais mettre en gris, donc tout ce qui n'est pas planifié, je vais le mettre en gris, je vais le mettre comme ça. Et donc maintenant, bah, je vais juste faire en sorte que chacune de ces mises en forme conditionnelles s'applique à la cellule qui correspond. Donc en gros, je commence à D et puis je vais faire E, F, G, H. C'est plus simple de le faire comme ça que de faire un par un. Une fois que c'est fait, bah, hop. Alors là, ça n'a pas trop de sens. Tiens, on va faire un truc qui après. Donc, je vais simplement cliquer sur OK. Donc, non, tout est bon. Alors là, les barres sont très fines, mais on voit un petit peu, un petit liseré. Et voilà, donc là, ça fonctionne bien. En 2024, hop, bah, rien n'est planifié. Donc, c'est 100% qui n'est pas planifié. J'ai mis rien. Hein. J'ai tout à fait le droit de mettre non planifié pour dire que bah, là, rien n'est planifié pour l'instant. Et donc, voilà, là, on a le... une énorme partie du haut de notre calendrier mensuel personnel. On va rajouter encore un peu des trucs, hein, mais on arrive vraiment sur le bout. En fait, ce que je vais rajouter, c'est des trucs un petit peu en plus, sachant que bah, j'ai quelque chose de fonctionnel. Alors, évidemment, c'est pas beau parce que là, c'est partout la même chose. C'était peut-être un peu plus cohérent avec ce que j'avais mis ici. C'est un peu plus visuel. Hop. Donc, voilà pour cette partie-là. Prochaine partie, ce qu'on va faire, c'est cette partie-là ici. Et puis, tiens, il y aura cette petite partie qu'on va faire. Donc, on va faire cette partie aussi. Donc, ce sera deux petites parties. Et la dernière partie, qui sera une dernière vidéo, parce que logiquement, je vais faire sans doute trois ensembles de vidéos.
Bah, ce sera la partie VBA, la partie pour rappel, hein, qui va vous permettre de facilement dire ici, je veux planifier une formation. Et ici, hop, je veux planifier un congé. Donc c'est ça le dernier truc qu'on va faire. Hop, donc je me remets ici. Vérifiez que vous avez bien tout comme moi. Et puis ensuite, on passe à la suite. Voilà, donc on a déjà vraiment bien avancé. Hein, vous voyez que que tout se met à jour bien correctement ici quand on sélectionne un mois ou une année. On a bien les indicateurs ici qui vont changer seulement quand on change d'année. Ils ne vont pas changer quand on change de mois. Ici, c'est les indicateurs mensuels. Et puis maintenant, je vais supprimer ça et on va faire la partie qui est là-haut. Sur le petit texte, on va commencer peut-être par le petit texte qui est ici. Et puis ensuite, on va faire cette partie-là. Donc on va commencer par la partie qui est là-haut et puis le petit texte. Donc la partie qui est là-haut, c'est un graphique qui permet de montrer quel mois est sélectionné, de montrer le nombre de formations qu'il y a, le nombre de journées de formation qu'il y a sur ce mois, et d'avoir en gris bah, les autres mois, qu'est-ce que ça donne sur la même année. Donc quand je change ça, je change d'année. Et quand je change de mois, je change juste de mois. Donc je me balade ici entre janvier et décembre. Et donc pour faire ça, bah, ce qu'on va faire, c'est ça. On va lui faire la liste des mois d'une année qui ne change pas. Et puis ensuite, on va faire quelques calculs pour avoir un truc comme on veut. Donc je me mets ici. Je vais, alors moi j'ai l'habitude de faire une colonne assez étroite au début. Et puis ici, je vais mettre 32 haut. Alors j'aime bien faire tout le temps à peu près la même chose. J'ai regardé. À 32 haut, c'est un peu mes tics. Et donc là, je vais faire un tableau. On voit que ce soit un tableau ou pas, ça changera rien. Mais je vais quand même faire un tableau. Hop, mettre sous forme de tableau. Hop, je fais un tableau comme ça qui contient des en-têtes. Ici, je vais avoir le mois. Ici, je vais écrire mois 2. Ici, je vais avoir le formation. Et ici, je vais avoir formation 2. Et je vous explique pourquoi. Donc je fais ça, je vais mettre cette ligne là au propre, donc tac, tac. Alors j'ai sans doute pas créé assez de lignes, hein. J'ai pas compté si j'en avais fait créer 12, mais j'en veux une par mois, donc je vais faire janvier, étant jusqu'à décembre, etc. Donc le mois 2, ça va être juste pour pouvoir avoir, ici, vous allez le voir, je me mets là, JFM pour janvier, février, mars. C'est largement suffisant pour comprendre, donc je mets juste ça plutôt que de mettre janvier, février, mars. En vrai, je suis pas obligé, mais ça me va très bien de faire comme ça. Je pourrais peut-être optimiser, je vais pas le faire. Donc simplement, là, je vais dire de récupérer à gauche de ça. Je peux mettre .1 pour un caractère, ou je peux ne rien mettre, et ça va récupérer par défaut un caractère. Et mon caractère, donc, pour la fin octobre, novembre, décembre. Maintenant, ce que je vais lui dire, c'est que je vais vouloir calculer le nombre de formations qu'il y a dans ma planification. Ici, hop, j'ai ma planification. Je vais vouloir ici, dans cette colonne-là, événements, le nombre de formations qui correspondent à l'année qui est sélectionnée et au mois qui est sélectionné. Et vous allez voir, bah, je vais peut-être plutôt mettre janvier, février, etc. parce que c'est ça que j'ai ici. Donc je vais faire ici pas janvier, février, etc. Je vais changer, je vais faire janvier. Je pense que si je fais janvier et que je descends, ça suffit. Voilà, il comprend automatiquement. Juste pour info, pourquoi est-ce qu'il comprend automatiquement et qu'il ne comprendrait pas si j'écrivais juste Jean et pas janvier? Normalement là, il ne comprendrait pas. Ah, on voit qu'il ne comprend pas. C'est parce que Jean, ça fait partie des listes qui sont déjà intégrées à Excel et vous pouvez les voir là-dedans et vous pouvez en rajouter si vous voulez. Vous pouvez aller dans Autres, Options. Et ici, vous allez pouvoir voir dans les options avancées, je crois. Est-ce que je peux faire CTRL F? Non. Du coup, ce que je vais chercher, c'est les listes. Et ici voilà, on a créé des listes et utilisé des listes, donc, et on peut modifier les listes personnalisées. Et vous voyez qu'il y a janvier, février, mars, etc. qui existent déjà. Et puis si on a janvier, février, etc. elles existent déjà. Et puis moi j'en ai rajouté d'autres parce que je pour des exemples ou des démos et le reste. Et du coup bah vous avez vous aussi juste les jours de la semaine et les mois. Et donc, vous pouvez facilement rajouter une liste pour dire, bah tiens, mes clients, c'est tout le temps ça, ou je voudrais faire une liste avec
Autre chose, et l'avantage de cette liste, c'est aussi, et vous le voyez ici, qu'une fois que vous avez une liste, vous pouvez faire en sorte que les éléments d'un segment arrivent dans l'ordre de cette liste, même si logiquement c'est pas l'ordre alphabétique. Donc je bosse pas là-dessus, je bosserai plus tard, on fera autre chose là-dessus, mais un jour. Mais du coup, je vais faire ça. Donc pour l'instant, je vais commencer par faire juste un somme, peut-être un nombre aussi ensemble, NB science. Parce que je vais avoir deux critères en fait. Je vais avoir le premier critère. Est-ce que combien de fois dans moi, est-ce que c'est la même chose que ce qui est marqué ici? Et là, du coup, j'ai des gros nombres. Et moi, je vais vouloir parce que en fait, j'ai juste le nombre de jours qui correspondent à il y a le janvier. Donc, comme j'ai 2 années, bah, j'ai 2 fois 31 jours. Donc, j'ai bah, 62 jours. J'aurais pu faire juste légèrement différent, je vous montre, sachant que moi il va falloir que je fasse les deux, hein. J'aurais pu faire ça, en virgule formation. J'aurais eu 69 partout, parce qu'en tout il y a 60 jours, 69 jours qui sont catégorisés comme formation. Bah maintenant en fait ce que je vais faire c'est que je vais faire les deux. Je vais lui dire déjà premier truc, je veux que ce soit formation, et puis deuxième truc, je veux que hop, le mois, on va faire ça. Ce soit ça. Là, bah, voilà, là, je vois que j'ai beaucoup en mai et juin, j'ai beaucoup de formations, j'en ai zéro sur mars-avril. C'est ce que j'avais mis hein, ici, je regarde mars, j'ai pas de formation, j'ai pas rempli, et mai et juin, j'ai beaucoup de formations. Donc là, ça fonctionne bien, il me reste un truc, c'est que pour l'instant, c'est totalement indépendant de l'année qui est sélectionnée, et pourtant, l'année qui est sélectionnée, bah, je voudrais que ça ne me montre que les formations de l'année qui est sélectionnée. Donc je vais rajouter un truc. Alors, vous allez me pardonner ce truc-là, mais moi j'aime bien avoir d'abord mes années puis mes mois. Donc je vais laisser un peu d'espace et je vais dire ici, pardon, ici, hop, mes années, c'est ça. Et l'année qui est sélectionnée, je veux que ce soit égal à l'année focus. Je ne savais plus comment je l'ai appelé, donc l'année focus. Hop. Donc là, logiquement, si je fais ça. Est-ce que ça l'a bien fait partout? Ça l'a bien appliqué partout. Donc j'ai trois critères et je vais vérifier que ça fonctionne bien si je change d'année. Voilà, j'ai zéro partout, sauf j'ai une formation en janvier. J'ai mis une formation en janvier. Et donc ça va être parfait. Et ça va être parfait et je vais vouloir faire quelque chose en plus. C'est que là, si je fais un graphique à partir de ça, hop, donc je vais prendre cette colonne, j'appuie sur CTRL et je sélectionne cette colonne. Et du coup, là, si je fais un graphique, hop, graphique en barre. Alors, ça pourrait être plus beau, hein, je vais pouvoir améliorer ça. Mais surtout, je ne vois pas ce que l'année, enfin le mois qui est sélectionné maintenant. Et moi, je voudrais voir le mois qui est sélectionné maintenant. Je voudrais voir le mois du focus. Là, je voudrais que ici, ça me mette une autre couleur pour dire que c'est janvier qui est sélectionné. Donc je vais le supprimer pour l'instant, je le referai, mais je le referai en une seule fois, ce sera plus simple. Alors je vais peut-être hop agrandir à nouveau pour que vous voyez bien les titres. Donc ici, je vais faire un truc un peu spécifique, une fonction qui va me, une formule d'ailleurs, qui va me permettre de faire un test pour savoir si le mois qui est sélectionné, c'est le mois de la ligne qui correspond. Et donc je vais le mois qui est sélectionné, pour rappel, hein, dans formule. Je suis même pas sûr, mais la date focus, voilà. Le mois qui est sélectionné, finalement, ça va être très bien par rapport à la date focus. Si je mets ici égale la date focus, je mets en format, hop, date courte, j'ai le fait que bah, on est sur le 1er janvier 2023 et donc on sait qu'on est en janvier. Ici, j'ai le 1er février 2023. Donc ça, bah, je peux facilement utiliser une fonction texte, comme on l'a fait ici. D'ailleurs, je vais utiliser la même fonction. Hein. Je vais utiliser la même fonction. Bon, je ne vais pas la copier, je vais la refaire. La même fonction pour lui dire je veux texte de ça et je veux 3M. Ici, je veux nom propre. Voilà, là j'ai Fèvre et du coup Mars. Et ça vient bien switcher ici. Et janvier, ça va bien switcher ici.
Et donc ça, c'est parfait parce que je vais pouvoir vérifier est-ce qu'il y a une égalité entre ce qui est marqué dans la ligne des mois et ce que j'ai calculé de manière générale à partir de la date focus. Donc si je fais ça, il me dit que c'est vrai ici et faux pour tous les autres. Et si je change ici et que je mets avril, hop, bah j'ai vrai pour avril et faux pour tous les autres. Bah ça va être très bien pour utiliser dans une fonction si. Donc je vais faire si j'obtiens vrai, donc si tout ce que j'ai fait c'est déjà vrai, alors à ce moment-là je vais lui dire d'écrire ce nombre-là, sinon je vais lui dire d'écrire NA. Et NA c'est une fonction qui est peu utilisée sauf dans ces cas-là de visualisation, que moi j'ai beaucoup utilisé et qu'aujourd'hui j'utilise quand même beaucoup moins parce qu'il y a d'autres manières de faire, mais dans ce cas-là ça va être très bien. Donc je vais mettre NA et NA n'a pas besoin d'arguments, c'est juste fait pour envoyer une erreur. Et ce genre d'erreur, elle se traite très bien dans les graphiques pour mettre simplement 0. Hop, donc je mets standard, je vais centrer. Donc là, bon, c'est 0. Si je repasse à janvier, c'était pas 0, il y avait 6 formations. Et du coup, bah, ça fonctionne bien. Et ça, vous allez voir, je vais faire un graphique à partir de ça. Donc je sélectionne la première. Toujours avec la petite flèche ici, le curseur comme ça. Donc je sélectionne la première, j'appuie sur CTRL, je sélectionne les autres. Insertion. Donc là, c'est pas mal. Alors on ne voit pas bien la différence hein, pour l'instant, c'est normal, vous ne voyez pas bien la différence. Je vais travailler un petit peu ici. Et déjà, je vais lui dire, pour qu'on voit bien, je vais double-cliquer ici sur l'une des barres. Donc je me mets à l'extérieur, je double-clique sur l'une des barres. Et il me propose ici de faire des modifications. La première modification qui est quasiment tout le temps à faire quand on fait des histogrammes. D'après moi, en tout cas, c'est de réduire l'intervalle. Je vais dire que je veux une largeur d'intervalle qui laisse quand même beaucoup plus de place aux histogrammes plutôt qu'au blanc autour des histogrammes. Sachant que 50%, c'est-à-dire que l'intervalle entre deux histogrammes est égal à la moitié, d'ailleurs c'est entre celui-là et celui-là, est égal à la moitié de la taille d'un histogramme. Donc ça, vous allez voir juste pour la démo, hein, je vais faire ça peut-être. Si je mets 0%, voilà, j'ai plus d'espace entre ça et ça. Si je mets 500%, bah, mes espaces entre ça et ça sont 5 fois plus grands que la largeur de ça. Donc ouais, je vais mettre juste 50%. Maintenant, je vais lui dire ici que, bah tiens, c'était au même endroit. D'ailleurs, la superposition, je veux pas qu'elle soit négative, je veux même pas qu'elle soit de 0, je veux qu'elle soit de 100%. Je veux 100% de superposition entre... Vous allez revoir, si je mets 0, entre l'histogramme qui représente tous les nombres de la formation qu'on voit ici, hop, je vois que c'est celui-là qui est sélectionné, cette colonne-là, et celui-là qui représente tous les nombres qu'il y a là-dedans, et on voit que le premier, eh ben, je vais vouloir une superposition complète. Alors je vais peut-être juste, histoire que vous voyez bien, lui dire que ça, je le veux en cette couleur. Et que ça, je vais le mettre plutôt en gris, ou j'avais peut-être pris ça, voilà, peut-être ça. Donc là, on voit un peu mieux hein, quand même que celle-ci, elle ressort bien, et que si jamais je prends mars, ah non, il n'y avait rien en mars, donc je vais prendre juin, hop. Bah, là, je vois bien que là, j'ai la barre bleue, l'histogramme bleu, et puis les autres, j'ai rien. Maintenant, si je lui dis bah, justement que je veux 100% de superposition, hop, je vais pas avoir la barre bleue. À côté de celle-ci, je vais avoir la barre bleue qui remplace l'autre, donc j'ai qu'une seule barre en juin. Et donc bah ça va être très bien. Simplement ça, je vais supprimer. Finalement, comme elle se superpose et que ça va être assez intuitif, on va comprendre. Je vais supprimer ma légende. Je vais supprimer ça. Je vais supprimer ça aussi. Je vais pas avoir besoin de tout ça. Et je vais juste lui dire sur celui-là. Donc je sélectionne uniquement cette barre. Enfin, il sait que celle-ci qui est visible, mais seulement celle qui est un peu plus flashy du coup, qui représente aux formations, je vais dire que je veux une étiquette de données. Donc, étiquette de données, je vais dire bord extérieur, ça veut dire au-dessus, ça va venir voilà, au-dessus ici de mes nombres, enfin de ma barre. Je vais faire en sorte juste qu'elles soient un peu plus jolies, donc je vais la mettre dans la même couleur, la mettre en gras, cette étiquette du coup qui contient le nombre, hein, on va peut-être la mettre comme ça, 22. Et puis ici, est-ce que je vais garder le titre? Alors pour l'instant, je le garde. Tiens, j'ai fait une bêtise tout à l'heure. Je suis désolé, je vous ai dit un truc et j'en ai fait un autre. C'est qu'on voit que là, j'ai sélectionné le mauvais mois. Je voulais sélectionner juste celui-là pour avoir quelque chose de plus court parce que je vais faire un graphique quand même beaucoup plus petit. Vous allez voir.
Je vais faire un graphique comme ça pour que ça tienne dans l'espace qui me reste. Et du coup, j'ai pas envie que ce soit comme ça. J'ai pas envie que ce soit que les numéros des mois, que les noms des mois soient pas si visuels que ça. Donc, je vais simplement décaler ça ici. Je vais faire clic droit, sélectionner des données, modifier ici pour lui dire que je veux pas B3, c'est B14, mais C3, C14. Clic sur OK. Voilà, c'est pile ce que je voulais. Donc ça, je vais le copier. Alors, je vais plutôt faire CTRL X, comme ça, je le coupe directement. Puis, je me mets ici et je vais venir le coller et respecter la bonne taille. Donc, hop, voilà, je veux avoir le même espacement, en gros, entre ici et ici. Donc, je vais faire en sorte que mon graphique aille pas plus loin. Je vous montre ce que ça donnait ici. Je vais en faire encore des petits changements. Donc là, par exemple, je vais lui dire que je veux que ce soit légèrement plus clair, peut-être, que ce soit beaucoup plus petit comme titre. 10, c'est très bien. Comme titre, je vais quand même mettre, là j'ai mis formation mensuelle, je vais mettre ça, formation mensuelle. Et puis du coup, est-ce que j'ai mis, non, j'ai rien mis au-dessus, donc je vais juste le remonter un peu et le réduire en taille ici pour avoir de la marge. Donc là, effectivement, avec un mois de juin aussi rempli, on voit pas bien les autres barres, mais parce qu'il y a un vrai différentiel. Alors attendez, peut-être ça, je vais le réduire aussi. Je vais peut-être réduire un peu ça et agrandir un peu ça. Et puis ça, je vais le remonter encore un peu. Voilà, c'est. En vrai, je conçois que ce soit pas. C'est pas parfait, mais je vais pas prendre énormément de temps pour faire plus de tests. Vous faites des ajustements. Moi, logiquement, ici, j'avais bien ajusté. Je vois que c'est la même chose. C'est juste que comme les nombres étaient plus cohérents aussi, la planification était plus cohérente, bah, c'est un peu mieux que je peux pas faire un dernier truc. Voilà. Je vais peut-être, voilà, juste prendre. Donc, je clique sur mon graphique. Je vais cliquer sur la barre, enfin, la zone dans laquelle il y a les nombres et remonter un peu ça, peut-être jusqu'ici. Comme ça, voilà, ça prend un peu plus de place, c'est un peu plus cohérent. Et puis, dernier petit truc que je vais faire. Alors, hop. Ça, dernier petit truc que je vais faire, c'est que je vais lui dire que je ne veux pas cette bordure-là. Donc, mise en forme, contour, sans contour. Comme ça, bah, finalement, j'ai juste ça. Ça rentre très bien là où j'avais de la place. Là, je me rends compte que, tiens, là, j'ai un peu de place quand même. Je pourrais aller jusque-là. Voilà, c'est à peu près bon. Que je fais, ouais, peut-être juste un tout petit peu plus, histoire que je veux juste que tout soit à peu près bien aligné, qu'on comprenne bien. Il y a une science exacte, hein, vous pouvez le faire au millimètre, mais je fais ça un peu simplement, mais voilà. Je voudrais que ici, en gros, ça s'arrête à peu près là où s'arrête ce truc-là, ou ce point-là, et là, c'est à peu près pareil. Je vais faire ça. Voilà, c'est des petits ajustements tout bêtes, hein, mais j'ai supprimé les bordures de mes segments et de mon graphique, et du coup, bah, j'ai de la place que je peux récupérer pour faire un peu mieux que ce que j'avais sinon. Donc voilà, j'ai ça. Je vais faire encore une toute petite étape, c'est celle-ci, hein, et puis après, je passerai à une autre vidéo, vous, ce sera la suite, mais pour la partie d'en bas. Donc ici, ce que je veux, c'est avoir cette phrase-là qui dit que tout ce qu'il y a là, tous les nombres qui sont là, correspondent à X% du nombre de jours ouvrés de l'année. Donc en gros, à peu près la même chose que ça. D'ailleurs, je vais pouvoir le prendre, je vais le copier. Je vais faire égale somme de ça. Et que des pourcentages qui s'additionnent. Donc j'ai 44% de mon année en termes de jours ouvrés qui est utilisé. Là, c'était pareil. Si on additionne tout ça, ça fait 75%, c'est ça que j'ai mis. Donc je fais la même chose. Hop, je vais venir. Et donc ça, c'est très bien. Maintenant, je voudrais mettre un petit texte autour. Donc je voudrais mettre égal 75% des jours ouvrés de l'année. Je peux le faire de plusieurs manières. Ici, on va le faire un peu différemment, mais là, je le fais d'une première manière. Et donc je vais faire. C'était quoi ma phrase? Égal. Donc je vais commencer par un égal. Et ce égal, bah, je veux qu'il soit entre guillemets. Alors, il faut qu'il soit entre guillemets, je veux qu'il soit affiché. Enfin, je fais ça.
C'est plus tout à fait ce que je veux. Là, on s'en rend compte, hein, c'est plus tout à fait ce que je veux. J'avais un pourcentage et ici, je peux choisir le format pourcentage, ça change rien. Je peux mettre le format standard, ça change rien. Parce que ce nombre-là, je vais devoir le mettre dans une fonction texte, comme on a fait par exemple pour les mois, pour lui dire quel est le format d'affichage que je veux. Je vais dire le format d'affichage, c'est 0%. C'est-à-dire que je veux afficher les pourcentages. Je vous montre. Donc pourquoi je mets 0? C'est si je mettais par exemple 4 0 ici, ça m'écrirait forcément 4 chiffres. Moi, je veux seulement, pas un chiffre, mais seulement les chiffres nécessaires. Donc je mets 0 et ça affiche seulement les chiffres nécessaires. C'est pas forcément la plus claire, mais je vais pas passer trop de temps là-dessus. Donc sachez que ça, c'est parfait pour afficher des pourcentages. Si vous êtes dans une formule qui vous empêche d'utiliser simplement ici, hein, ça. Et donc je vais continuer ma phrase avec par rapport, je vais regarder ce que j'avais écrit, des jours ouvrés de l'année. Voilà. Pas par rapport, mais des jours ouvrés de l'année. Je vais le mettre comme je l'ai fait là, en italique, en un peu plus petit. Et puis voilà, ce gris-là. Et peut-être redécaler un peu. Voilà. Donc évidemment, vous faites différemment, vous faites mieux, vous faites autrement, vous faites comme vous voulez. Moi, c'est ma proposition pour ça. Et donc, quand je change ici, ça n'a pas d'impact sur la phrase du bas. Ça a de l'impact sur ça, hein, là-haut. Par contre, quand je vais cliquer sur 2024, bah, ça me dit qu'il y a 0%. Alors, en fait, il y a une formation, mais sur 3, sur 250 jours, ça fait moins de 1%, beaucoup moins de 1%. Du coup, ça arrondit à 0%. D'ailleurs, je vous montre, hein, j'aurais pu faire 0,00. Et donc là, on aurait vu que c'était 40, 0,40% des jours de l'année, parce que j'ai mis une virgule et deux zéros derrière. Donc voilà, donc là j'ai ça, ça fonctionne très bien ici. On peut voir que le nombre, que le focus se déplace, hop, en fonction de ce que j'ai sélectionné ici, parce que ce que j'ai sélectionné ici a de l'impact sur la cellule, enfin sur le calcul qui est gestionnaire de nom, la date focus, et que c'est justement cette date focus qui vient d'un agrégat que je réutilise ici dans ma condition. Hop, j'enlève le quadrillage, comme ça j'ai un truc nickel. Ici je vais enlever d'ailleurs, parce que je veux pas qu'on puisse trier ou quoi que ce soit les boutons de filtre. Et puis du coup, j'ai ce truc là qui fonctionne très bien. Je vais dézoomer ici pour être en niveau de zoom 80. Oh bah non, je l'avais pas fait. Hop, donc je me remets au même niveau de zoom. Et donc voilà, j'ai ça et ça fonctionne bien. Hop, si je masque. Prochaine étape, faire cette partie-là avec les indicateurs mensuels qui vont changer, eux, en fonction de, qui vont être la même chose que ça, plus technique, mais qui vont changer en fonction de ce qui est sélectionné ici et ici. Et donc nous voilà arrivés à la dernière partie de, pas du fichier en entier, parce qu'on va rajouter la partie VBA, la partie qui, pour rappel, permet de faire ça. Ici, de dire que je veux ici rajouter, par exemple, une maladie ou un... ou pas, ou l'enlever, ou enlever ici un congé, ou le remettre. Donc tout ça va être une partie VBA, que je ferai peut-être d'ailleurs une deuxième fois en Office Script, mais pour l'instant c'est pas encore au programme, donc juste ça va être la toute dernière partie, une grande partie, mais dans ce qu'il y a avant ça, le dernier truc qu'on va faire, c'est cette partie-là, ce petit encadré à droite, qui va nous permettre d'avoir des infos sur le mois qui est sélectionné. Donc là par exemple, on voit qu'il y a sur le mois qui est sélectionné, 50% des jours ouvrés, c'est ça le calcul qui est fait, sont des formations. Ou plutôt, les formations de ce mois-là représentent 50% du nombre de jours ouvrés. Donc ici, forcément, ça bouge à chaque fois qu'on change, hop, de mois. Ou d'année, bien entendu, ça change aussi. Alors, en mars 2023, 2024, bah, il y a encore quasiment rien qui est mis. Donc voilà, nous, on va faire ça. Et puis moi je vais le faire bien entendu sur le même fichier que sur lequel je travaille depuis le début. Et je vais commencer par un tout petit peu des derniers petits ajouts par rapport à ce qu'on a déjà fait. Là, ce que je vais vouloir, c'est agrandir un peu ça. Je vais agrandir ces deux lignes-là pour que ce soit un peu plus beau, que j'ai un peu plus de place. Je vais peut-être agrandir un peu ce qu'il y a au-dessus. Et pour faire ça, vous allez voir que si là je le fais, je fais clic droit, hauteur de ligne, et que j'agrandis par exemple à 30. Ouais, on va faire 45. Ah bah non, ça fonctionne bien. Je pensais que j'allais avoir un petit que ici ça allait se décaler. Donc attendez, je vais juste faire un truc pour tester. Ok. Alors là, ça ne l'a pas fait pour les hauteurs de ligne.
Je vais revenir en arrière. Par contre, ça l'a bien fait quand j'ai rajouté une colonne. Et du coup, ça veut dire que ce graphique-là, je voudrais quand même qu'il ne se modifie pas selon ce que je vais toucher derrière. Donc pour faire ça, je vais faire clic droit sur le graphique. Je vais aller dans Format de la zone graphique. Et je vais aller ici et dans Propriétés. Et je vais dire de ne pas ni se déplacer ni se dimensionner avec les cellules. Donc je fais ça, ce qui va me permettre d'avoir vraiment les mains libres pour toutes les modifications de hauteur de ligne, de largeur de colonne que je vais faire après. Donc là, je vais juste hop, rajouter, dire que là, je veux que ça fasse 35. Là, je veux que ça fasse, hop, on va faire 25. Le seul objectif de ça, c'est de faire en sorte qu'à la fin, vous ayez quelque chose qui prenne bien toute la taille ici. Donc moi, je fais juste ce petit réglage parce que sinon, je oublierai de le faire à la fin. Et donc, qu'on ait quelque chose qui soit le plus... qui soit quasiment quelque chose qu'on peut présenter tel quel sans avoir à faire une impression PDF ou une capture d'écran. Donc voilà, j'ai fait ça. Ici, comme j'ai gagné un peu de place, je vais agrandir un peu la taille de mes segments, tant qu'à faire la hauteur, donc je vais faire ça. Et puis je vais agrandir la taille de mes boutons. Voilà. J'ai ça. En vrai, vous le faites ou vous ne le faites pas, bien entendu, vous faites comme vous le sentez. Moi, je voulais juste faire en sorte d'optimiser un peu cet espace-là. Et bien sûr, ce n'est pas forcément très important. Hop. On va faire un peu. Voilà, donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est de bien préparer ce qu'il y a à droite. Et ce qu'il y a à droite, vous voyez que j'ai gardé un peu le même code que j'avais fait là avec des lignes et une petite ligne intermédiaire en plus grisé pour dire que là, c'était la bordure. Je vais faire exactement la même chose ici. Donc, je vais réduire tout ça à, je sais pas, on va faire 1 environ. Voilà, tout fait 1. Et puis je vais prendre ce que j'avais mis comme couleur ici et je vais le copier et le mettre ici. Alors on ne le voit pas forcément bien, ça se trouve que ça ne sort pas sur vos écrans. L'idée c'est que là il y a une couleur un peu plus foncée, comme si j'avais mis voilà, un gris un peu plus foncé, mais je le mets en clair pour que ça ne se voit pas trop, que ça soit juste très propre, même si c'est uniquement un signal tout doux qu'on envoie. Et je mets peut-être plutôt 0,5 ou 0,8, ça va me suffire, ce sera largement suffisant, ce sera très bien pour ce que je veux. Donc, hop, c'est ici. 0,8. Et donc maintenant, ce que je vais vouloir faire, c'est, je vais reproduire un peu cette mise en forme, je vais prendre ça. Alors, est-ce que je vais le faire avec... Non, je vais le faire avec juste une. Hop, je vais prendre juste le vendredi. Et je vais faire une colonne un peu plus grande quand même, voilà, comme ça, je vais agrandir ce qu'il y a là. Dire que ça fait 3 de largeur. Et donc là, j'ai encore un tout petit peu de marge. Comme ça, je vais faire un beau truc. Je vais faire 30,5 peut-être. Je fais ça histoire que j'ai une marge sur la droite qui soit la même marge que sur la gauche. Pareil, c'est juste visuel. C'est des tout petits détails. Moi, j'aime bien y passer du temps parce que je me dis que ce genre de fichier, je le fais qu'une fois et après, c'est bon. Mais bien sûr, vous y passez du temps seulement si ça vous intéresse. Voilà, là, j'ai ça. Ici, bien sûr, ça ne va pas être vendredi. Je vais écrire type et pourcentage. Un peu plus d'espace. Voilà, c'est un peu moche, vous inquiétez pas. On va faire mieux. On va faire tap. Donc, là, j'ai ça. Et maintenant, je vais vouloir faire des calculs mensuels. Donc, à chaque fois, sur ce qui est représenté ici, sur lequel je vais faire des feintes et des trucs comme ça. Ça va être exactement le même type de calcul que ce que j'ai là et le même type de mise en forme que ce que j'ai là. Donc je vous remontre, l'idée c'est d'obtenir quelque chose comme ça. Mais le fait est que ici j'ai voulu faire des calculs annuels donc je ne pouvais pas m'appuyer sur seulement ce que je voyais qui était représenté ici. Donc j'ai dû faire des calculs des choses un peu plus complexes. D'ailleurs je me suis rendu compte, donc je vais le modifier tout de suite, je vais aller dans Formule, Gestionnaire de nom et ce que j'avais appelé ici le nombre de jours fériés annuels, c'était pas ça, vous avez dû vous en rendre compte, c'était le nombre de jours ouvrés annuels. Je m'étais juste trompé de mot, c'était le nombre de jours annuels auxquels j'avais retranché les week-ends et les jours fériés. Donc c'est ça qu'il faut que je change. Je le change ici, je clique sur OK, et vous allez voir que ici où c'était pris en compte, justement, on est passé dans cette formule, de le nombre de jours fériés annuels à le nombre de jours ouvrés annuels. Évidemment, quand vous faites quelque chose dans le gestionnaire de nom et que vous l'utilisez à côté, si vous changez le nom dans le gestionnaire de nom, ça a de l'impact partout et c'est du coup très dynamique et très robuste. Donc voilà,
Ce que je veux faire ici, c'est, tiens, je vais prendre la même mise en forme, ce sera très bien. Je vais pour l'instant enlever la mise en forme conditionnelle. Effacer. Et donc, ce que je vais vouloir faire, c'est que je vais vouloir, hop, je mets en standard dans un premier temps. Ce que je vais vouloir faire, c'est que je vais vouloir compter le nombre de jours qui sont des formations, dans un premier temps pour le premier, le nombre de jours qui sont des formations, et rapporter ça au nombre de jours ouvrés qu'il y a là-dedans. Et donc, je vais commencer par compter le truc par lequel je vais tout le temps diviser, c'est le nombre de jours ouvrés. Et le nombre de jours ouvrés, je peux soit faire une formule comme ce que j'avais fait donc dans mon gestionnaire de noms, soit en fait me dire, puisque ici, j'ai déjà toutes les infos, je vais partir de ça. Et ne serait-ce que pour faire quelque chose de différent, je vais le faire autrement que ce que j'avais déjà fait. Donc, je vais faire une fonction nombre si. Alors, je pourrais faire nombre si, parce que je n'ai pas besoin d'aller plus loin, mais je vais faire nombre si ensemble parce que je pense que c'est toujours un super truc de se dire qu'on fait dans tous les cas une fonction nombre jours ouvrés, nombre si ensemble, ou moyenne si ensemble, ou somme si ensemble, plutôt qu'un nombre si. Ça vous prépare à toujours travailler avec des fonctions plus polyvalentes. Donc, nombre si ensemble. Et donc, qu'est-ce que je vais vouloir calculer? C'est, moi, ce que je vais vouloir calculer, c'est le nombre de jours qui sont des jours ouvrés. Et donc, des jours ouvrés, c'est simple. Pour chacun de mes jours ici, le critère qu'il y a en commun, même s'il n'y a rien marqué après dans la cellule, c'est qu'il y a une barre. Il y a une barre avant quelque chose, ou en tout cas, il y a une barre après le nombre. Et du coup, moi, je vais lui dire, est-ce que je trouve bien une barre? Donc, je vais lui dire, je prends tout ça. Et je ne vais pas aller jusqu'au samedi dimanche. Je vais en tenir compte après, mais là, je ne vais pas en avoir besoin. Parce que je sais que par défaut, ils ne sont pas vrais. Donc, nombre si ensemble là-dedans. Et ma condition, ça ne va pas être est-ce qu'il y a une barre ou est-ce qu'il y a marqué 0, 2, autre, comme ici. Parce que ma condition, ça va être est-ce que ça contient une barre. Pas est-ce qu'il y a une barre, mais est-ce que ça contient une barre. La barre, c'est près de la touche 6. Vous avez cette barre-là. Et du coup, je vais demander est-ce que... hop. Il y a marqué une barre, peu importe ce qui a marqué avant, et peu importe ce qui a marqué après. Donc si je fais ça, vous allez voir que il me dit qu'il y a 22 fois une barre là-dedans, peu importe ce qui avait marqué avant ou après. Si j'enlève l'étoile qui veut dire avant, peu importe ce qui a marqué avant, et l'étoile qui veut dire peu importe ce qui a marqué après, vous allez voir que ça change. Si j'enlève celle qui y a marqué après, j'ai plus 22, j'ai 0. Parce que souvent, après cette barre-là, il y avait au moins un espace. Et du coup, ça ne fonctionne pas. Pareil, si j'enlève ici et que je remets celle de l'étoile après, ça ne fonctionne pas non plus. Donc, je vais remettre mes étoiles. Et donc, ça me permet de bien visualiser seulement le nombre de cellules dans cette plage-là. C'est la plage que j'ai sélectionnée. Qui contiennent une barre, ça veut dire qu'elles contiennent une date qui correspond au mois. Celles qui ne sont pas prises en compte sont finalement celles-ci. Donc ici, parce que le premier jour du mois de janvier 2023, c'était un dimanche. Donc les jours d'avant, c'était encore en 2022, encore en décembre 2022. Donc ici, il n'y a pas de barre, il n'y a pas de nombre, il n'y a rien. Et ici, c'est pareil, on est passé à février. Donc là, ça me dit qu'il y a 22 jours ouvrés, sachant que dans ces jours ouvrés, c'est pas le cas pour janvier, mais ce sera le cas pour mai. Dans ces jours ouvrés, ce sera le cas aussi sans doute pour novembre, on va faire. Dans ces jours ouvrés, il y en a certains que je vais vouloir retrancher. Parce que là, j'ai aussi 22 jours ouvrés. Simplement, ces 22 jours ouvrés, je voudrais retrancher ce jour qui, ici, contient un carré. Donc les carrés, pour rappel, je les ai utilisés ici, dans cette formule-là. Et donc, je vais les copier. Je vais copier ici le symbole pour pouvoir faire une deuxième recherche sur ça. Donc ça va être, je vais le mettre en dessous, voilà, on va le mettre en dessous, je vais lui faire un deuxième truc pareil, donc nombre si, en 100, et je vais lui demander dans la même plage, hop, est-ce que ça contient à nouveau un carré, peu importe ce qu'il y a avant et après. Là, il me dit que j'ai une fois un carré dans ce truc-là, si je prends mais, j'ai un peu plus de carrés. J'en ai là, là et là. J'en ai 4. Et si je prends, par exemple, janvier, j'ai bien un carré, mais il n'est pas dans mes jours du lundi à vendredi, donc il n'est pas compté.
Donc moi, je vais me mettre sur novembre, ce sera très bien pour voir ça. Et du coup, ce que je vais vouloir dire, c'est que le nombre de jours ouvrés, en fait, ça va être la soustraction du nombre de jours qui sont du lundi au vendredi qui sont dans le mois, moins le nombre de jours fériés, donc le nombre de jours qui contiennent ça. Donc en fait, ça va être mes barres moins mes carrés, sachant que quand il y a un carré, il y a quand même une barre. Donc je vais faire ça, je vais prendre ça, hop, je vais supprimer le contenu de cette cellule et je vais dire que hop, moins ça. Donc ça, c'est mon nombre de jours ouvrés mensuels. Je peux décider de le laisser tel quel. Moi, parce que j'aime bien, ce que je vais faire, c'est que je vais le copier. Je vais dans Formule, gestionnaire de nom. Vu que c'est quelque chose que je vais réutiliser, quoique non, je vais peut-être pas le réutiliser. En fait, je vais faire quelque chose qui va peut-être ne pas nécessiter de le réutiliser. Donc, je vais pouvoir juste laisser ça. Ça va être peut-être mieux. Donc, je vais mettre ça entre parenthèses, histoire de bien pouvoir isoler ce truc-là et être sûr de ne pas me tromper si je rajoute un divisé ou un truc comme ça. Donc, ça, c'est mon nombre. Le jour ouvré dans cette période-là, dans le mois sur lequel j'ai fait un focus. Donc il y en a 21. Et moi, ce que je vais vouloir compter, c'est le nombre de jours qui sont des formations. Et donc je vais prendre le même principe, je vais faire égal, voici, ensemble. Je vais lui demander dans cette plage-là, mais sauf que là, je me dis que je peux quand même placer une formation un samedi ou de l'administratif un samedi ou quoi que ce soit. Donc pour pouvoir prendre bien ces trucs-là en compte, je vais prendre directement jusqu'au samedi dimanche. Histoire d'avoir un calcul qui soit cohérent. Vous allez voir qu'il y a des cas où potentiellement j'aurais travaillé plus de jours que le nombre de jours ouvrés. Parce que j'aurais travaillé des jours fériés, j'aurais travaillé des samedis et dimanches. Mais c'est pas grave, c'est tout à fait cohérent et c'est important de le savoir. Donc je le prends en compte. Donc je fais ça et je fais point virgule ici. Est-ce qu'il y a marqué formation, peu importe ce qu'il y a marqué avant et après. Donc je vais mettre une étoile avant et une étoile après. Logiquement, il n'y aura jamais rien marqué après, mais c'est pas grave. Donc je fais ça et là il me dit qu'il y a 5 fois formation. Et effectivement, ici j'ai 5 fois formation. Peu importe qu'avant j'ai un nombre et une barre, j'ai 5 fois formation. Si je vais sur janvier, j'ai 6 fois formation. Les 6 fois qui sont ici. Et du coup, ça c'est pas mal. C'est exactement ce que je veux. Donc je vais pouvoir faire une division. Je vais pouvoir hop, prendre ça et faire ce nombre-là divisé par ce que j'avais calculé avant. Donc là j'ai bien ça et ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien, mais je n'ai pas envie de venir écrire à la main formation, de l'étendre. Donc je vais quand même l'étendre vers le bas, hop, jusqu'ici. Alors j'ai eu des petites erreurs, on s'en fiche, hein. Mais c'est dans tous les cas juste un premier temps, j'ai juste voulu étendre la mise en forme d'ailleurs, donc je vais supprimer ça. Et du coup, je ne vais pas vouloir écrire à la main formation, etc. Ce que je vais faire, c'est que je vais dire, je veux qu'il y ait marqué n'importe quoi avant, un texte qui peut être XXX dans un premier temps, et n'importe quoi après. Et donc, je vais prendre cette syntaxe-là exactement, qui est peu importe ce qu'il y a marqué avant, je mets une étoile. Du coup, ça va correspondre à une étoile entre guillemets. Une espérance. Peu importe ce qu'il y a marqué après. Et donc, je mets une étoile. Pardon, c'est ici. Peu importe ce qu'il y a marqué après, je mets une étoile entre guillemets. Et au milieu, ce que je vais vouloir rechercher, ce n'est pas le texte XXX. Donc, je pourrais remettre formation. Hein. Mais ce que je vais vouloir rechercher, moi, c'est pas formation, je vais chercher tous les textes qui sont ici. Dans mes paramètres. Du coup, il va, dans la première ligne, il va prendre le même ordre. Donc, dans la première ligne, il va calculer pour les formations, dans la deuxième pour les admins, pour la troisième congé, ensuite maladie et autres. Et donc, ici, je vais le mettre en pourcentage, ce sera un peu plus joli. Justement, c'est fait exprès. Je vais le mettre jusqu'ici d'ailleurs. Être un format pourcentage. Et donc voilà, j'ai 6 jours de congé, on les voit ici, et 6 jours de formation, donc c'est normal que j'ai 27%, 27%. Si je vais sur février, j'ai 40% de mes formations sont 8 jours, donc ça représente 40% de mes jours ouvrés. Parce que je dois avoir une vingtaine de jours ouvrés, souvent c'est ce qui arrive, hein, il y a des exceptions avec justement le mois de juin ou le mois de mai, pardon. Vous allez voir que le mois de mai, du coup, mes jours ouvrés, c'était ceux-là
moins les 4 qui contiennent des carrés. Et du coup, comme j'ai des formations tous les jours, c'est-à-dire que je suis 121% de mon temps normal de travail de ce mois-ci en formation. Donc j'ai dépassé les 100% et c'est intéressant de le savoir. C'est intéressant de savoir que quand on travaille des samedis, des dimanches, on fait plus que un peu on est au-dessus de sa vitesse normale de croisière. Donc voilà, je fais ça. Et donc ça va être très bien. Et ça, moi, ce que je vais vouloir faire, c'est mettre une barre de données. Donc je vais faire comme ça, je vais le faire sur le premier d'ailleurs, juste sur le premier, accueil. Alors je vais agrandir, accueil. Mettre mise en forme conditionnelle, barre de données, et du coup je fais la même chose que ce que j'avais fait la dernière fois. Donc je fais ça, je vais ensuite, une fois que je l'ai créé, gérer la règle, et je vais faire du coup ce que j'ai déjà fait un peu plus tôt. Donc le minimum c'est 0, c'est inférieur, le max je vais mettre que c'est 100%, je vais pas mettre que c'est 121% ou que c'est automatique, je vais mettre que c'est 100%, ça me suffit très bien. Et donc la couleur, du coup, je reprends ça pour que ce soit la même couleur ici et là. Je fais ça, je vais laisser tel quel. Alors, je suis bien conscient que ici, on voit pas bien le nombre, mais tout à fait pour être, le principe général, c'est qu'on n'ira jamais au bout d'une barre parce que on va avoir plusieurs trucs dans le même mois. Donc, c'est pas très grave si dans cette exception-là qui est mai. Parce que j'ai tout rempli, y compris les jours fériés, on voit pas bien le nombre qui est ici, on voit que la barre est remplie. En vrai, en général, la barre va être remplie entre 0% et 50-70%, donc on aura toujours le nombre à droite, ça fonctionnera très bien. Donc là, j'ai ça. Évidemment, pour les autres, je vais faire exactement la même chose. Mais avant de tout faire pour tout, alors pardon, c'est pas ça que je voulais faire, je vais mettre la mise en forme. Ça. Là, j'ai les mises en forme. Alors, qu'est-ce que moi j'ai fait? Je l'ai fait depuis le début. Donc, j'ai pris ça. J'ai pris ce que j'avais ici. Je reviens même en arrière. J'ai pris ce que j'avais ici. J'ai collé jusqu'en bas. Et en fait, ça reproduit ma formule aussi. Donc, en vrai, ma formule, je vais la. C'est pour ça que j'ai des erreurs. Ma formule, je vais la supprimer, sauf pour la première cellule. C'est depuis la première cellule qu'elle se propage. Et donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire les mêmes choses que ce que j'avais fait là. Je vais aller gérer les règles. Pour dire à chaque fois, attention, là c'est cette couleur, attention, là c'est cette couleur. Alors tiens, en vrai, c'est ce que je voudrais faire. Je vais faire plutôt mise en forme conditionnelle, gérer les règles. Je vais vérifier ce qu'il me propose. Et je vais plutôt, du coup, alors ici, je vais dire que c'est jusqu'à 15. Et je vais dupliquer la règle. Et ici, dire que c'est 16. Et je change de couleur. Je change simplement de couleur. Alors je crois que j'avais pris ça, sans doute. À vérifier, est-ce que c'est cohérent? Moi, je vois pas bien les couleurs, donc c'est pas moi qui vais m'en rendre compte le mieux, mais ça a l'air d'être cohérent entre cette couleur et cette couleur. Le problème, c'est que du coup, je peux pas juste me fier aux couleurs, et la personne qui utilise ça ne se rappelle pas forcément de l'ordre qu'il y a ici, ni ne va faire le lien, par exemple, avec ce qu'il y a là. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vouloir écrire le mot formation ici. Vous voyez, je l'ai là, formation, commercial, admin, etc. Donc moi, j'ai pas commercial dans cette version que je fais avec vous. Et donc, je vais vouloir écrire ça. Et le truc, c'est que pour écrire ça, alors que j'ai déjà un nombre dans la cellule, ça va être compliqué. Et si jamais je disais que je voulais écrire, par exemple, juste le texte formation, ou je faisais même mieux que ça, hein, formation et ça, et il serait plus capable de calculer. Du coup, j'aurais plus de mise en forme conditionnelle avec mes barres de données. Donc, il va falloir que je trouve une manière de faire coexister dans une cellule un texte qui dit qu'est-ce que c'est comme donnée et le nombre qui permet d'avoir la mise en forme conditionnelle. Et ça, je vais pouvoir le faire. Alors, c'est du bricolage parce que là, je sais que j'ai pas de raison que ça change, donc ça va être très bien. Mais je vais le faire ici, autre format numérique. Et je vais dire, alors c'est un truc un peu technique, je vais dire que le format numérique, ça va être formation. Donc là, j'écris formation, entre guillemets, et... Donc je mets formation entre guillemets, après la guillemets, je mets un espace et je mets mon ce que j'avais déjà, donc le format pourcentage, donc 0%. Je clique sur ça et c'est pas mal. En vrai, ça fonctionne. Le problème, c'est que ça fonctionne, mais j'ai formation à droite et 27% à droite. Je pourrais tout mettre à gauche ou tout mettre au centre, mais moi, ce que je veux, c'est ni l'un ni l'autre. Je voudrais que formation, hop, ce soit à gauche et que le nombre soit au centre.
Et ça, c'est pas le plus simple. Là, vous voyez que vous avez par exemple admin à gauche et 9% à droite. Et donc ça, il va falloir que je fasse un format personnalisé à nouveau. Je vais le faire une fois, ensuite je vais le mettre partout. Format personnalisé. Et donc ce format personnalisé, je vais devoir l'enrichir du fait que je vais vouloir dire que je veux des espaces. Hop, par exemple, plein d'espaces. Si je fais ça, peut-être qu'il va mettre plus d'espace entre les deux. Alors, il ne le détecte pas, il pourrait le détecter, mais il n'a pas détecté que j'avais mis plein d'espace. Donc voilà, il l'a même supprimé, donc je pourrais mettre plein d'espace ici. Ça, il va le détecter. On voit, là, il me présente ce que ça va donner. C'est pas mal, mais bon, en vrai, je ne sais pas. Tous mes textes ne vont pas faire la même taille. Et puis, je voudrais que ce soit quand même robuste. Donc, ce n'est pas encore exactement ça que je vais faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire que je veux un espace après formation. Et ensuite, je veux étoile, espace. Et étoile, espace, ça va me permettre de dire je mets autant d'espace que j'ai de la place de mettre d'espace jusqu'à ce que j'ai formation, jusqu'à ce que j'arrive au bout. Et donc, arriver au bout, en fait, comme là, c'est aligné à droite, ça correspond à ici, il ne peut plus écrire d'autres choses. Du coup, ça, c'est exactement ce que j'ai fait, sauf que je vais lui dire, je veux quand même un peu d'espace à gauche. Donc, pour avoir un peu d'espace à gauche, je vais écrire formation avec un ou peut-être deux espaces devant. Voilà, donc là, j'ai formation avec un ou deux espaces devant. On ne voit pas forcément bien, ce n'est pas forcément magnifique. Je pourrais peut-être foncer un peu ici, mettre la couleur d'au-dessus. Voilà. Alors du coup, c'est plus exactement la même couleur que j'avais utilisée là. C'est pas forcément très grave, hein. Mais du coup, là, ça vous voyez peut-être un peu mieux. Après, les autres couleurs sont plus claires, donc elles posent moins de problèmes. Mais je vais faire ça partout. Donc j'ai ça. Et du coup, ce format personnalisé, hop, je vais simplement le copier, et puis je vais aller l'utiliser partout. Hop, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre partout. Autre format numérique personnalisé, et je vais mettre ça. Donc là, mes formations partout, et donc moi, je vais juste aller les changer manuellement, donc c'est pas très grave, hein. L'ordre, c'est celui-là, donc je le sais une fois. Admin, congé, maladie, autre. On pourrait faire un peu mieux, hein, mais en vrai, je pense que esthétiquement, c'est ce qui va être le meilleur choix. Donc je fais comme ça pour cet exercice-là. Admin, hop, ça fonctionne. Congé. Ici, j'ai maladie, du coup, et autre. Maladie. Et ici, autre pour le dernier. Donc voilà, j'ai ça. Et j'ai donc créé un format qui va me permettre d'avoir une cellule qui est assez belle, qui représente à gauche l'étiquette de l'information, qu'est-ce qu'on est en train de regarder, et à droite, la valeur de ce truc-là. Donc je vais mettre juste ça partout, la même couleur partout. Je vais reproduire les barres de données partout. Et puis en bas, je vais faire simplement une somme. Donc en bas, ça va être la même chose, hein, faire égal somme de ça. En vrai, il est capable de les additionner, vous voyez. Il est capable de les additionner parce que à l'intérieur, il n'y a pas marqué réellement formation. C'est le format qui permet de voir formation, mais il n'y a pas marqué formation. Et donc, moi, je vais faire les barres de données dans le même style que ça. Donc, je me mets là, mise en forme conditionnelle, gérer les règles. Hop, je duplique, je pense. Là, c'est 17. Là, c'est 18. Là, c'est 19. Et il faut que j'aille jusqu'à 20 pour le dernier. Donc le 17, je vais prendre les mêmes codes couleurs que ce que j'ai utilisé là, sachant que là j'avais regroupé admin et autres, bah je vais le faire aussi. Donc j'ai le 16, c'était admin. Le 17, c'est congé. Donc congé, c'est du vert. Modifié, et je pense que j'avais pris ce vert là. Ici, du coup, mise en forme conditionnelle, gérer, modifié. Et du coup, là, on est sur maladie. Alors je pense que j'avais pris ça. Et ici, autre, c'est déjà la bonne chose parce que j'avais dit que admin et autre, c'était la même chose. Et du coup, j'oublie pas que ici, c'est pas formation, je l'ai pas encore changé, c'est total, par exemple. Voilà, donc j'ai ça. Et donc, si je change, je vais revenir ici. Si je mets février, évidemment, tout change. Tout est entièrement dynamique. Si je regarde mai, voilà, les formations sont la totalité, même plus,
des jours sur lesquels je suis censé travailler, du nombre de jours sur lesquels je suis censé travailler. Et voilà, donc logiquement, tout est 100% dynamique. Et on a fini, tout cet exercice-là à un détail près, qui est cette partie-là que je montre une dernière fois, qui est la partie VBA, qui va permettre de rajouter facilement quelque chose qui va venir se rajouter dans événements et qu'on pourra facilement changer de mois et ça ne l'affichera pas et on reviendra et ça l'affichera à nouveau. Donc voilà, c'est ça le dernier truc qu'on va faire. Mais on a déjà accompli un énorme truc ensemble.